Depuis tout petit, je suis fan de sport et particulièrement de sport collectif. J'ai débuté ma carrière en tant que technicien de production et je suis aujourd'hui à la tête du conditionnement avec une quarantaine de personnes sous ma responsabilité. Entre ces deux fonctions, j'ai pu découvrir le management dans un rôle de responsable de production, puis parfaire mes connaissances dans le cadre de différents projets, comme par exemple la mise en place de la sérialisation sur les lignes de conditionnement. Le conditionnement, c'est la dernière étape de production avant l'utilisation du médicament par les patients. Les produits, des flacons d'antibiotiques par exemple, sont étiquetés, mis en boîte, puis emballés en carton avec des systèmes de protection permettant d'éviter la contrefaçon. Mon rôle consiste à tout mettre en œuvre pour livrer les médicaments de qualité auprès de patients sous traitement. Pour atteindre cet objectif, je me dois de travailler sur la stratégie, d'anticiper les besoins, de coordonner les activités et de manager les équipes de conditionnement et de maintenance. Ce que j'aime dans mon métier, c'est l'autonomie que j'ai pour diriger mon secteur et travailler avec mes équipes pour trouver la meilleure solution. Pour tenir mon poste, il est nécessaire d'être à l'écoute, de montrer la voie et surtout de repousser les limites. C'est comme un match en sport collectif. On travaille en équipe, on fixe et on atteint des objectifs et on relève des challenges.